Dominique, vous êtes à Metz Métropole aujourd'hui. Vous avez tourné sur plusieurs lieux justement de Metz Métropole. Oui, effectivement, on a commencé par le CTC, c'est-à-dire les établissements où il y a les services de nettoyage, les camions poubelles, et puis ensuite on est passé à la DCSI. C'est le lieu qui regroupe Metz Métropole et Metz, tout ce qui est informatique. Et puis là, on est à Harmony Park. Comme tous les ans, on passe à Harmony Park et on est toujours bien reçu. Donc c'est bien, c'est pour ça qu'on revient. Alors, et puis également, votre grand secteur, Metz... Metz Service. Oui, ben, c'est demain, on attend. Tout est prêt, les roses sont là, tout est prêt pour demain, en espérant que le temps soit avec nous et puis que les donateurs... Mais je suis pas inquiet, c'est un bon secteur. On est en milieu rural, c'est roulant, donc j'ai des motos et puis les gens, l'accueil des gens est sympa aussi. Donc voilà. Alors combien de roses cette année, plus que l'année dernière? Bah oui, cette année, l'année dernière j'avais 8000 roses, là j'en ai pris, bon c'est un secteur qui tourne depuis 3 ans, là j'en ai 11 000, donc je pense arriver à les placer, à les offrir aux gens. Quoi. Et combien d'équipages autour de vous? Bah là demain je pense avoir 120 motos, donc ça fait 240 personnes, quoi. En gros j'ai 300-350 personnes pour gérer la manifestation. Quoi. Et combien de villages autour de sur votre secteur? Eh ben là-bas, on tourne en gros à 50 villages. 50 villages sur 2 jours à peu près. Enfin, on essaye d'équilibrer parce qu'il y a des villes un peu plus grandes, des villages un peu plus petits, mais bon, en gros, c'est 50.